Salut à tous, c'est donc StarCat qui reprend Irine Arène sur Makeb. Comme vous pouvez vous entendre, je suis un peu enrhumé. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qui va empêcher la furie de l'empereur d'accomplir ses missions. Bon, pour l'instant, on va rejoindre Catania pour rendre compte de la mission des voleurs de tonnerre que j'ai accomplie avec Aerdelia de la guilde de Drake. Voilà. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à la faire. Alors voyons si je peux encore étrangler un tout petit peu cette Catania. Mais pour le plaisir. Alors, je me souviens juste que les voleurs de tonnerre, il y avait une espèce de gros droïde énorme à détruire à un moment. C'était assez balèze. Et on en est où à un moment où les huts se foutent de ma gueule. Enfin, en tout cas, se fichent de la tête, se payent la tête des impériaux. En prédisant que nous mourrons tous sur la planète. Donc, maintenant, compte rendu avec Cataniar. C'est parti, mon kiki. Que la force nous protège tous. Les Huts sont au courant de votre présence, et l'isotope 5 nous a échappé. Oui, Excellence. On a un échantillon, et il y en a d'autres dans le noyau, mais... j'ai échoué. Aujourd'hui, trois planètes sont tombées aux mains des bouchers de la République. J'ai sacrifié ces mondes et mes légions pour gagner du temps pour cette opération. Vous êtes responsable de ce qui se passe sur Makeb. Je suis l'élu de l'Empereur. Je n'ai jamais perdu au combat. Ne mettez pas mes compétences en doute, Mar. Vous m'avez mal compris. Nous avons l'opportunité de forger un nouvel empire. Un empire uni dans la loyauté et la passion. Pas dans une dévotion simpliste pour un empereur invisible. Mais si vous ne parvenez pas à vous procurer l'isotope 5, l'empire ne s'en relèvera pas. Trouvez une solution. Kam inu nemuk, naja naya akam memnik miraka. Et on ne peut pas exploiter le gisement d'isotope 5 nous-mêmes avant que la planète explose. Même si les Huts coopéraient, on n'en aurait jamais assez. L'isotope 5 est prisonnier du noyau, et le noyau est sur le point d'exploser. On doit se concentrer sur ce point. Comment peut-on ralentir la destruction de la planète? Comment peut-on sauver Makeb? Je ne sais pas si c'est possible. Beraka karamkara, ninyamok oramag yangmegik. Notre empire est en péril. Makeb doit être sauvé ou tout sera perdu. Vous n'êtes rien. Seule votre obéissance compte. Allez-y. Il manquerait plus qu'ils tirent au flanc, tous ces gens-là. Allez, allez, au boulot, là. Sinon, c'est le fouet. Et le sabre laser dans le fondement, bien sûr. Si je peux me permettre, Excellence, on progresse. Mais même si on sauve Makeb, le temps... Si les Huts se rendent compte que la planète n'explosera pas, ils ne voudront pas partir. On ne peut pas se permettre une guerre terrestre. Il faut toujours les faire évacuer. Surveillez toutes les communications Huts. Ceux qui suspectent quelque chose doivent être éliminés. Kala jiwa nimok. Ebemgam niyama naya aigam. Ici le poste d'ingénierie de Taris. Théoriquement, il est possible de stabiliser le noyau de Makeb, mais on manque de données. Ici le poste de géoanalyse de Kesh. Il faudrait permettre à l'isotope 5 de Makeb de libérer une impulsion énergétique afin de cartographier tous les dépôts. Mem amgap kugap, kramanik, umka kiga mayamak. Voyager à des kilomètres sous la surface de Makeb ne sera pas simple. On n'est pas équipé pour de telles profondeurs. Si on tente le coup, notre meilleur point d'accès sera le puits de forage laser, où l'isotope 5 a été découvert pour la première fois. Le puits descend à des kilomètres sous une mine qui a été abandonnée, donc elle doit être dangereuse, mais les Huts devraient être moins présents. Pourquoi les Huts ont-ils abandonné la mine? J'essaie toujours d'ouvrir ces fichiers, mais c'était en rapport avec la sécurité. Laporam amka, mamni nikak, nagnaya mamni, kambram. Faites attention. Le noyau d'une planète n'est pas l'endroit idéal pour faire une balade.
Merci du renseignement. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me donne de beau? Plein de choses sympathiques, miam miam. Alors, bien, il faut se diriger vers la mine abandonnée et utiliser le lot terminal là-bas pour savoir à quel point ils pourront m'aider pour descendre au niveau matériel. Je sens que ça va être chaud, très chaud. On dirait que c'est le noyau de la planète, donc quelque part, c'est très chaud. Montons sur le crochet d'apesanteur. En tout cas sur le parvis de chargement. Voilà, et ben, il faut donc prendre la petite navette vers la mine, je suppose, qui est ici. Site de forage abandonné, c'est parti. On s'y retrouve les amis. Bon, mais comme vous, je découvre en aveugle l'émission. J'ai pris des journalières qui me disent d'éliminer la faune locale. Donc on va essayer. Et donc pour l'instant, allons découvrir le site de forage oublié. C'est parti. Découvrons cette planète singulière. Il y a des gens qui se battent. Allez, donc, oula. C'est même assez dangereux par ici. Des passerelles partout. Voyons un petit peu. Qu'est-ce que me réserve mon équipe? Tu surveilles, hein, Doc? Ah, pardon. Malabaï. Doc. Équipe de soutien, vous me recevez? J'ai rejoint le puits de forage. Position confirmée. Manalak lakri nabi nekkemraka galajiwa nimok pemgam nyama naya aikam. J'étais là au briefing. Je descends d'ici peu. J'ai parcouru les plans du site minier. Je vous transmets les données. Et on dirait que le matériel est désactivé. Vous allez devoir allumer les générateurs de secours et alimenter les turbo-élévateurs et les verrouillages. Mais il y a des formes de vie en bas. Imposantes. Vous parlez d'animaux? Quelque chose originaire de Makeb? Les rapports indiquent que le forage a entraîné une sorte d'infestation. C'est pour ça que la mine a été abandonnée, à mon avis. Sans doute des créatures semblables à celles des galeries de la forteresse 1. Sans blague. Faites bien attention. Équipe de soutien terminée. Rien de mieux qu'un peu d'essai pour mes sabres laser. L'entraînement, c'est toujours bien. Bon, retrouvons donc le site de forage. Je suppose qu'il faut descendre. Voilà. Ça m'a l'air un peu instable ici. Descendons d'abord. Un peu où on se trouve, c'est très joli ici. Alors, j'en profite pour prendre une photo. Voilà. Comment ça, je fais le touriste? Mais oui, je fais le touriste. Ça s'active dans le coin, on dirait. Éliminer la saute sauvage hostile. Pour l'instant, je ne rencontre rien. Je peux rien éliminer. Hein. Et un générateur. Un... Ah si, voilà. Ah oui, d'accord. La faune hostile. Et eh ben dis donc, la faune hostile, c'est... C'est la faune hostile, hein. Il n'y a pas... Oh putain, je comprends maintenant le problème. Ce sont des scarabées qui font des bumps et qui vous envoient valdinguer dans le vide. Donc je pense qu'il va falloir peut-être s'arrêter d'abord. Voilà, et le combattre à partir d'ici. Ah. Oh, on interrompt en plus. On n'interrompt pas le rite de l'empereur, désolé. C'est quand même impressionnant, hein, faut dire. Je veux dire. Allez. Elle est dans le coin comme ça, elle aime pas du tout. Alors j'aime pas du tout. Je pense que c'est plus un truc à faire en groupe, hein, ce genre de choses. Non, tu ne tueras pas la furie de l'empereur. Surtout, tu l'enverras pas dans le vide. Mais non, si c'est ça la faune locale à éliminer, je suis pas prêt de finir. Hein. Bon, allez, hop là.
Ok, et un générateur. Hein. C'est chaud les marrons. Mais ça va, les autres sont à peu près raisonnables. C'est lui qui était à 42 000. Wouhou ! Il n'a pas résisté. Évidemment. Ah, vous non plus d'ailleurs, vous ne résisterez pas. Pétaraki volant. Bon, Teraki. Il y a Pétaraki. Marron. Et voilà. Pas mal, pas mal. Je suis beau d'or quand même que chaque générateur est gardé par une espèce de scarabée bizarre. Je le sens comme ça. Allez hop. Terminé à coder. Ah, ah d'accord. Bon. Oula, un truc à 22 000. Miam miam. Bon, moi qui voulais des défis, je suis servi. Hein. Je suis même super servi. Ah, y'en a...